Après l'annonce du décès de l'acteur Angus Cloud, mort à seulement 25 ans le lundi 31 juillet 2023, la comédienne Zendaya, qui était sa partenaire de jeu dans la série Euphoria, a tenu à lui rendre hommage le lendemain sur les réseaux sociaux. Depuis le lundi 31 juillet 2023, les fans de la série Euphoria sont en deuil. En effet, l'une des têtes d'affiche de la fiction emblématique de HBO est morte ce jour-là. Âgé de seulement 25 ans, le comédien Angus Cloud, qui interprétait le personnage d'un dealer nommé Fesgo à l'écran, est décédé. Si est-ce avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd'hui. En tant qu'artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards, ont déclaré les proches de l'acteur dans un communiqué pour annoncer sa disparition. Si les causes de la mort d'Angus Cloud restent encore inconnues pour l'instant, la police locale pense actuellement que le jeune comédien est décédé suite à une overdose, selon les dernières informations dévoilées par le média américain TMZ. CST, la mère d'Angus Cloud qui a appelé les secours lundi à 11h30 après l'avoir découvert dans leur maison d'Oakland, en Californie, inanimée et sans pouls. Elle avait alors indiqué aux secours qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une possible overdose lors de l'appel qu'elle a passé. Les proches de l'acteur ont pour leur part précisé qu'Angus Cloud avait des problèmes de santé mentale. De plus, le comédien avait récemment dû faire face à la mort de son père. Au lendemain de l'annonce de sa mort, le défunt acteur a reçu un hommage posthume de sa partenaire de jeu dans la série Euphoria, la star hollywoodienne Zendaya. Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté que t'es Angus, Connor. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir connu dans cette vie, de l'avoir appelé un frère, d'avoir vu ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, et d'avoir entendu ses éclats de rire contagieux, je souris rien que d'y penser, a-t-elle indiqué dans un message publié sur son compte Instagram. Je sais que les gens utilisent beaucoup cette phrase pour parler des gens qu'ils aiment. Ils illuminent toutes les pièces dans lesquelles ils sont, mais je vous assure qu'il était le meilleur pour cela. Je voudrais me souvenir de lui comme ça, pour cette lumière, l'amour et la joie qu'il arrivait à nous donner. Je chérirai tous ces moments. Je suis de tout cœur avec sa mère et sa famille en ce moment et s'il vous plaît soyez gentils et patients car le chagrin n'est le même pour personne, a également ajouté l'actrice. Mort d'Angus Cloud, le créateur de la série Euphoria réagit aussi outre Zendaya, la chaîne américaine HBO avait également réagi après l'annonce de la mort d'Angus Cloud. Nous sommes incroyablement tristes d'apprendre la mort d'Angus Cloud. Il était immensément talentueux et aimé de la famille HBO et Euphoria. Nous exprimons nos profondes condoléances à ses amis et sa famille en cette période difficile, a-t-elle publié sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il savait combien de cœurs il a touché. Je l'aimais et l'aimerai toujours. Qu'il repose en paix et que Dieu bénisse sa famille, a écrit pour sa part le créateur de la série Euphoria, Sam Levinson.